Marusu katabaregini kuria mashita rabasu. Hallelujah. Jésus, tu es ma priorité. Morashika baregini. Tu es ma priorité. Rosuku tabaregini. Jésus, tu es ma priorité. Marosho taraso kontorobo. Tu es ma priorité. Jésus, tu es ma priorité. Lebrus kunta baregede kuria mama lisa kata baregede. Tu es ma priorité. Est-ce que quelqu'un peut commencer à partager? Jésus, tu es ma priorité. Dis au Seigneur qu'il est ta priorité. Dis-lui qu'il est à la première place. Maroso Kunta Baregede. Tu peux commencer à partager. Tu peux commencer à envoyer à quelqu'un. Invite quelqu'un. Alléluia, bien-aimé. Invite, partage dans des groupes. Maroso Kunta Baregede. Shalom, 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 shalom à tous. Jésus, tu es ma priorité. Maroso Kunta Baregede. Jésus, tu es ma priorité. Tu es ma priorité. Commence à taguer tes amis. Dites-le qu'on a commencé. Aujourd'hui, nous voulons simplement dire que Jésus est notre priorité. Alléluia. Dans l'ordre des priorités dans notre vie, il prend la première place. Marosoko tabaregede. Marasoko. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, ah moi, je préfère prioriser telle chose. Alléluia. Jésus, tu es ma priorité. Tu es le premier, tu es le premier, tu es le premier. Marusoko tabaregere. Jésus, tu es ma priorité. O roboskan tabaregere koria mama. Tu es ma priorité. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever la voix pour bénir le nom du Seigneur? Là où tu es, tu peux simplement bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est assis sur le trône. C'est lui qui règne d'âge en âge, de génération en génération. Est-ce que tu peux commencer à bénir le nom de ton époux? Tu peux bénir le nom de celui qui est en train de te préparer une place. Alléluia. Tu peux bénir le nom de celui qui règne d'âge en âge, de génération en génération. Tu peux bénir le nom de celui qui vit éternellement. Tu peux bénir le nom de celui dont le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Rosso conta barene de curia mama. Alléluia, les broscota baregede, yo lo broscota baregede, marosoto lobo, les broscota baregede, lo broscayanta rabashe kerebosuka baregede, gloria mayante broscota baregede. Seigneur, nous jetons nos vies entre tes mains. Père, nous nous livrons totalement. Père, nous nous abandonnons totalement. Nous nous laissons véritablement conduire par toi. Parce que tu es le véritable, tu es le véritable, tu es le maître. Tu es tout pour nous, Jésus. Et nous voulons t'honorer pour cela. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Alléluia. Que ma vie soit un parfum de bonne odeur pour toi. Si quelqu'un est là qui lui qui dit au Seigneur, Seigneur, que ma vie soit un parfum de bonne odeur pour toi.
Parle à Dieu, koroboshe tabaregede. Nous voulons, Seigneur, te donner un culte, Seigneur, oh Dieu, où tu vas encore te régaler de notre présence. Tu vas être encore béni par notre présence, Papa, parce que tu vas voir tes enfants en train de t'honorer, en train de scander ton nom, en train de glorifier ton nom, en train de dire combien de fois tu es le seul véritable Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu que toi. Tu es le seul Dieu, puissant, glorieux, maître des temps et des circonstances. Toi qui as créé toutes choses dans par tes mains, et mon âme veut te louer, t'adorer simplement. Papa, reçois Seigneur les louanges qui sortent de mon cœur. Même si Seigneur je ne peux pas tout dire, il y a souvent des choses dans mon cœur qui sont tellement fortes. Je n'ai même pas les mots que je peux mettre sur ces choses dans mon cœur. Mais Papa, regarde mon cœur. Et prends-le comme un parfum qui monte vers toi. Qui monte vers toi. Seigneur, lis dans mon cœur. Je n'ai pas les mots, Papa. Lis dans mon âme. Lis mon cœur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Mon âme est en adoration devant toi ce matin. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Maître de toute ma vie. Je ne peux que te louer, que t'adorer, que t'exalter, Jésus. Tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être adoré. Si quelqu'un, quelque part, peut commencer à adorer son Dieu. Seigneur, prends la place dans mon cœur, prends la première place dans mon cœur. Commande ma vie, fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de la maison du refuge. Fais ce que tu veux de mon frère et de ma sœur. Fais ce que tu veux de nous. Va où tu veux avec nous, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ma vie, c'est pour te lever. Mon âme, c'est pour te célébrer. Tout ce que je fais, c'est pour te lever. Reçois l'honneur, la magnificence, reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois, alléluia, les paroles que je ne peux sortir de ma bouche. Lis mon cœur, lis mon âme, lis à l'intérieur de moi, Jésus. Et abreuve-toi de mon adoration ce matin. Abreuve-toi de mon adoration ce matin. Abreuve-toi de mes paroles ce matin. Abreuve-toi de mes sentiments ce matin. Abreuve-toi de tout ce qui est en moi. Jésus, reçois comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, toutes ces paroles qu'un frère et une sœur est en train de faire sortir actuellement. Seigneur, abreuve-toi, éternel mon Dieu, des sentiments du cœur, Père, de l'émotion qui sort. Seigneur, tout ce que nous pouvons te donner, nous n'avons pas d'argent pour te donner. Nous n'en avons même pas, Seigneur. Mais nous avons, Père, une adoration. Nos cœurs se lèvent vers le trône de la grâce et encore reconnaît que tu es Dieu, que tu es roi, que tu es Seigneur. Alléluia. Reçois, Papa. Reçois, Seigneur, ce matin. Reçois mon adoration. Reçois mon adoration. Reçois mon adoration. Reçois l'adoration de mon frère et de ma soeur. Reçois l'adoration de quelqu'un ce matin. Reçois les salmos, les mots, Papa, de quelqu'un. Reçois. Reçois, Papa. Reçois ces fleurs qui sont versées devant ton trône. Reçois ces fleurs. Reçois ces parfums, Papa. Reçois, Papa. Reçois, Papa, devant ton trône, Papa. Sur ton autel, reçois. Père, ces parfums qui tombent.
tombe. Père éternel, reçois. Père, ces fleurs, Seigneur, ces fleurs blanches. Papa, reçois cet amour inconditionnel de ton peuple ce matin. Reçois, 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 reçois devant le trône blanc. Reçois, 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 reçois. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu es la priorité de ma vie. Tu es la priorité de mon être. Tu es la priorité dans ma vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur toi. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Il y a des moments comme ça où j'ai simplement envie de rester dans l'adoration. J'ai simplement envie de rester dans ses bras. C'est tellement glorieux. J'ai juste envie de chanter des cantiques qui sortent de ma bouche. J'ai tellement envie que tu vives ces genres de moments où tu réalises qu'il est tout pour toi. Où tu réalises que sans lui, tu ne peux rien faire. Où tu réalises qu'il a donné sa vie pour toi. Où tu réalises qu'il est le Saint des saints. Où tu réalises que ta vie n'a aucun sens sans lui. Où tu réalises qu'il doit être ta priorité. Où tu réalises qu'il est au centre de toutes choses. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur toi, bien-aimé. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Toi qui verras la vidéo plus tard, sache que le Seigneur t'aime aussi. Au-delà de ce que moi je peux avoir d'amour pour toi, ton Dieu t'aime. Jésus t'aime. Il t'aime au-delà. Il t'aime au-delà. Il dépasse même la limite que tu t'es fixée. Tu vois, quand tu dis Jésus m'aime, tu as encore une limite parce que tu es humain. Tu vois, l'humain est limité. Mais l'amour de Jésus est au-delà de ce que tu peux imaginer. Jésus t'aime à un point. Il t'aime à un point. Donc, il y a des jours comme ça, il peut te permettre d'ouvrir un peu la porte pour que tu réalises son amour. Et quand c'est comme ça, ne te prive pas de lui dire que tu l'aimes. Ne te prive pas de te jeter à ses pieds. Ne te prive pas de d'abaisser ton cœur devant lui. Ne te prive pas de lever des paroles, de verser un parfum sur son autel, de jeter des fleurs sur son autel, de même faire des offrandes. Ne te limite pas. Quand le Seigneur te fait comprendre, mets-toi simplement à être dans un temps d'adoration, un temps d'adoration de tous les moments. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous adorons le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, mon exhortation aujourd'hui, c'est Jésus ma priorité. Jésus ma priorité. Et j'aimerais, bien-aimé, avant tout propos, te rappeler que nous sommes dans un moment de 21 jours de jeûne et de prière. Alléluia. 21 jours de jeûne et de prière. Et c'est un moment que le Seigneur nous a permis d'avoir, bien aimé, pour pouvoir détruire, détrôner tous les géants qui combattent notre destinée, qui combattent nos familles, qui se lèvent contre nous, qui font des choses qui amènent, nous retardent dans notre avancée avec le Seigneur. Alléluia. Et donc, pendant ces 21 jours, nous venons chaque soir, alléluia, chaque soir, nous venons à 22h heure de France, nous nous connectons sur, il y a le lien que j'ai déjà mis en haut de la vidéo, nous nous connectons chaque soir à 22h heure de France pour prier, pour déclarer, pour détruire les œuvres des ténèbres. Et à 5h du matin, nous sommes encore présents sur cette même plateforme où nous venons encore pour proclamer, pour déclarer, pour prier. Ces 21 jours sont vraiment des moments de prière. Et nous faisons un jeûne de 6h à 14h. Si tu veux faire toute la journée, fais-le. Si tu veux jeûner, amen, bien-aimé,
même 3 jours, je ne sais, 2 jours, je ne sais, c'est dans comment le Seigneur te mettra, mais que ton cœur soit sa ligne à la présence de Dieu. Alléluia, que Dieu te bénisse. Et donc, ces 21 jours là, nous sommes aujourd'hui le 5e jour. C'est pas un retard, mais tu n'es pas en retard. Si tu veux nous rejoindre, tu peux toujours nous rejoindre. Tu n'es pas en retard. Si tu veux nous rejoindre, tu peux toujours nous rejoindre. Bien aimé, le Seigneur est en train de nous parler dans le livre de Marc. Amen. Marc 10 à partir du verset 17. Amen. J'aimerais que tu restes connecté. Alléluia. Le Seigneur a quelque chose à nous dire. Je ne vais pas tergiverser. Je vais vraiment aller directement. J'aimerais que tu écoutes cet enseignement qui va révolutionner ta vie, qui va te faire aller à un autre niveau. Bien-aimé, je dis, la Bible dit dans le livre de Marc 10, à partir du verset 17, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, comme Jésus se mettait en chemin, un jeune homme accourut et se jeta à ses genoux devant lui. Et ce jeune homme leur a dit quelque chose. Il va dire, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire? Il appelle Jésus bon maître, bon maître. Ça veut dire que déjà ce jeune homme en venant, quand il se jette à ses pieds, il reconnaît l'autorité de Christ. Il reconnaît que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il reconnaît que cet homme-là peut me dire ce qu'il me faut pour pouvoir réussir. Il reconnaît que c'est un bon maître, parce qu'il y a des mauvais maîtres. Mais il reconnaît en la personne de Jésus que Jésus est un bon maître, au point où il se jette à ses pieds. Ça veut dire qu'il se dit, il se met dans une position de prosternation. Il se jette à ses pieds en disant, je sais que tu peux me donner la réponse. Il y a longtemps, je cherche une réponse pour savoir comment je dois être sauvé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je sois sauvé? Mais toi, tu peux me donner la réelle réponse. Tu es capable de me donner parce que tu es un bon maître. Tu ne vas pas m'escroquer. Tu ne vas pas m'emmener à faire quelque chose juste pour te faire plaisir. Mais tu vas me conduire sur le chemin de véritablement ce que je recherche. Donc, ce jeune homme va dire quelque chose. Il dit bon maître et il se jette devant le Seigneur. Et il dit, il lui demande, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Sa question est belle, sa question est merveilleuse. C'est comme chacun d'entre nous au jour d'aujourd'hui, nous marchons avec le Seigneur, mais nous disons, Seigneur, hey, qu'est-ce qu'on doit faire pour te plaire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment aller loin avec toi? En tout cas, ceux qui sont véritablement sauvés, c'est ce qu'ils se demandent tous les jours. Ils se disent, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour véritablement glorifier ton nom? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour pouvoir hériter du royaume des cieux? Un véritable enfant de Dieu se posera toujours la question. Si jusqu'aujourd'hui tu ne te poses pas cette question, ça veut dire que ta nouvelle naissance a été ratée. Tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que le véritable enfant de Dieu qui est né de nouveau, il est en train de chercher toujours qu'est-ce qu'il peut faire pour plaire à Dieu. Qu'est-ce qu'il peut faire pour que son Dieu puisse, alléluia, lui donner véritablement la vie éternelle. Et donc ce jeune homme va poser la question au Seigneur. Au verset 18, il dit pour hériter la vie éternelle. Au verset 18, regarde, le Seigneur Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Amen. Et il n'y a pas de bon que Dieu seul. Alléluia. Donc Jésus va rectifier quelque chose. Pas que il est en train de dire, ne me dis pas que je suis bon, mais il est en train de lui dire, écoute, si tu m'appelles bon, c'est parce que quelque part tu sais que j'ai la sémence du Père. Mais sache et mets dans ton cœur une priorité. C'est que tu dois comprendre que au-delà de tout, quand tu vas voir un humain devant toi, c'est vrai, il peut être bon. Peut-être que tu vois en lui des caricatures, tu vois quelque chose de meilleur en lui. Mais que dans ton cœur, la seule personne qui est le trône au-dessus de tous les trônes, ceux à qui tu donnes des priorités, ceux à qui tu donnes une certaine valeur, mais Jésus, mais le Seigneur, mais Dieu au-delà de tout. C'est ce que Jésus va rectifier d'abord en premier, avant de continuer. Parce que Jésus savait qu'il ne va pas durer sur la terre, il va partir. Et donc tous ceux qui vont le suivre doivent d'abord mettre Christ en priorité. Alléluia. Doivent d'abord mettre Dieu en priorité. Je ne suis pas en train de me perdre dans mes propos. Je suis en train de parler de quelque chose d'important. Bien-aimé, écoute bien. Au verset 19, le Seigneur va dire quelque chose. Il dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras point de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Jésus va lui répéter ce que Moïse leur avait dit au peuple d'Israël. Alléluia, quand ils étaient allés à la rencontre de Dieu.
Là, nous pouvons le voir dans Exode 20. Je ne suis pas obligée de revenir là-dessus. Dans Exode 20, vous allez voir au verset, à partir du verset 11, où le Seigneur dit, tu honoreras le jour du sabbat parce que Dieu s'est reposé. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne mentiras pas, tu ne feras pas d'adultère. Tu ne convoiteras pas. Ces choses sont écrites là-bas. Donc, Jésus vient et il les répète encore, alléluia, à l'homme qui est en face de lui. Et l'homme qui va lui dire, mais Seigneur, toutes ces choses, depuis ma tendre enfance, je l'observe. Ça veut dire que nous ne sommes pas en train de parler de quelqu'un qui est dans le péché. Nous parlons de quelqu'un qui s'est dit qu'il est en Christ. Nous parlons de quelqu'un qui s'est dit qu'il connaît les choses de Dieu. Nous parlons de quelqu'un qui s'est dit racheté de Dieu. Alléluia. On veut parler même peut-être si c'est un bon chrétien. Il ne vole pas, il ne ment pas, il n'est pas impoli. Il respecte son père et sa mère. Il n'est pas, voyez un peu, non, dans toutes des choses bizarres. Il est correct, mais il y a quelque chose qui lui manque. Bien aimé, beaucoup de personnes sont, se disent correctes, mais ils risquent de rater le ciel parce qu'il y a un vaudor dans leur cœur. Il y a quelque chose dans leur cœur qui va les mener sur un chemin qui ne glorifie pas Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour ce jeune. Écoute bien, la Bible dit le Seigneur va lui rappeler les lois de Moïse. Ça veut dire que ça y est encore d'actualité. Ne vole pas, ne ment pas, ne fais pas toutes ces choses. Alléluia. Et au verset 20, la Bible dit, il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma plus tendre enfance. Jésus l'ayant regardé. Jésus le regarde. En fait, le regard de Jésus n'est pas simplement pour regarder ce qu'il a porté. Pour regarder, ah non, il est beau, il est grand. Non, mais Jésus regarde son âme. Le regard de Jésus ici a été une manière de dire, je regarde dans ton âme. Je regarde qui tu es. Je regarde ce qui ne va pas. Je regarde à l'intérieur de toi. Jésus va aller sonder l'intérieur de ce jeune. Puisque le jeune dit, je fais tout. Ce jeune homme riche dit, je fais tout. Donc Jésus va aller au-delà des préceptes humains normaux qu'on voit là, au-delà de ce qu'il y a. Il va aller jusque dans la profondeur de l'âme de cet homme et il va voir quelque chose. La chose qu'il va voir va lui permettre, alléluia, de détecter ce qui peut fermer la porte à ce jeune. Bien-aimé, autant que nous sommes, chacun d'entre nous, il y a quelque chose dans notre cœur qui risque de nous fermer la porte du ciel. Après avoir prêché, après avoir marché avec Jésus, après avoir été à l'église tous les jours, après avoir reçu les impositions des mains du matin au soir, les impositions des pieds, les impositions des coudes, après avoir reçu toutes ces choses, il y a quelque chose, bien-aimé, qui risque de nous fermer la porte du ciel. Alléluia. Je continue et j'arrive. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus va le regarder. Il va sonder le cœur de ce jeune et il va lui dire, et la Bible dit que Jésus l'aima. Il le regarda et il l'aima. Il a regardé et il l'a aimé. Il a aimé dans le sens, il a vu quelqu'un qui dit qu'il me sert, mais il est désespérément perdu. Désespérément perdu. Il observe toutes mes lois, mais il est désespérément perdu. Jésus a eu compassion de lui. La Bible dit Jésus l'aima. C'est-à-dire que Jésus a eu compassion. Bien-aimé, Jésus a compassion de tous ceux qui le cherchent. Même s'ils sont sur la mauvaise voie, Jésus a compassion d'eux. Parce que son objectif n'est pas de les rejeter. Son objectif est de les sauver. Il aime les pécheurs. Il aime tous ceux qui sont dans une disposition de vouloir venir véritablement à lui. Tu tiens dans ton cœur un désir fort de chercher Dieu. Jésus t'aime. Même ceux qui ne le cherchent pas, Jésus les aime parce qu'il veut les ramener à lui. Alléluia. Mais Jésus va se rendre compte que malgré tout ce que ce jeune l'a fait, il est désespérément perdu. Il est désespérément à côté de la plaque, comme certains pouvaient le dire, comme on en a dans nos jargons de tous les jours. Il est à côté de la plaque. Il observe toutes ses lois, mais il ne sera pas sauvé au dernier jour. Pourquoi? Je continue ma lecture. La Bible dit, Jésus lui dit, donc Jésus va voir maintenant le problème. Il a détecté le problème, il va maintenant parler au jeune. Il dit, ok, si tu m'as appelé bon, ça veut dire que tu vas m'écouter. Si tu m'as appelé bon, ça veut dire que ce que je vais te dire, puisque tu recherches véritablement le salut, ce que je vais te dire, tu vas le faire. Donc on est censé se dire ici que le jeune cherche vraiment à être véritablement à être sauvé. Il cherche véritablement son salut. Il est censé, c'est ce qu'il a dit, je veux être sauvé. Donc, quand tu viens vers quelqu'un et que tu lui dis, je veux être sauvé, tu lui dis, je veux être béni, tu lui dis, je veux telle ou telle chose. Je prends un exemple, tu dis, ah, ma soeur ou mon frère, je veux telle chose. C'est parce que tu attends de lui quelque chose. Mais tu ne viens pas poser une question et après, on va te dire de faire et tu dis, non, que toi, tu n'es pas là-dedans. Non, tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce jeune-là,
qui s'est jeté aux pieds de Jésus, reconnaissant que Jésus était un bon maître qui pouvait lui donner la direction à suivre pour être sauvé. Il lui dit, Jésus, maintenant qu'il lui dit, qu'il le regarde, qu'il a compassion, et lui dit, au verset 20, il lui répondit, non, c'est ça, au verset, comment on appelle ça? Au verset 20, c'est ça. Il lui dit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Au verset 21, Jésus dit, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, la révélation de ce qui allait perdre le jeûne. Il te manque une chose. Alléluia. Va, vends tout ce qui est à toi. Donne-le aux pauvres. Amen. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, qu'est-ce que tu fais? Puis, viens et suis-moi. Puis, viens et suis-moi. Voici ce que Jésus va dire à ce jeune-là. La Bible dit au verset 22, « Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de cela et Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, » il parle des disciples, « Mes enfants. » Qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses. Ce n'est pas une question de richesse. Ce n'est pas une question de bien. Bien-aimé, Dieu peut te bénir. Tu vas avoir tout. L'argent, les maisons, les quoi. Non, tu vas avoir tout ça. Le problème du salut n'est pas une question de non. Il faut être pauvre pour être sauvé. Il y a des gens qui se disent qu'il faut être pauvre pour être sauvé. C'est une mauvaise doctrine. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas de ça que Jésus parlait. Mais Jésus avait détecté dans le cœur de ce jeune-là qu'il était attaché à ses biens. Ça veut dire que son cœur se réjouissait dans ses biens. Ça veut dire que toute sa vie était basée sur les biens. Il dit qu'il observait les lois, mais les lois ne venaient pas en premier dans son cœur. La servir Dieu ne venait pas en premier dans son cœur. En premier dans son cœur, c'était ses richesses. Tu vois que c'est pour ça que j'ai dit mon thème et mon exhortation, c'est quoi? C'est Jésus ma priorité. Vous voyez, dans le cœur de ce jeune, ce n'était pas Dieu qui était sa priorité. Il avait vu les lois comme quelque chose qu'il faut respecter. Oui, je le fais parce que j'appartiens au peuple juif. Oui, c'est ce qu'on m'a dit de faire. Mais dans son cœur, la priorité n'était pas Dieu. Dans son cœur, il avait la priorité que pour ses biens. C'est-à-dire que si tout de suite il se réveillait, la première des choses auxquelles il pensait, c'était son argent, c'était sa maison, c'était ses biens. C'est ça seulement qui était dans son cœur. Bien-aimé, voilà pourquoi le Seigneur va faire sortir cette parole qui dit, il sera difficile à un riche d'entrer au ciel. Pourquoi? Pas parce qu'il est riche, mais parce que tout son cœur est attaché à la richesse. Tout son cœur est attaché à ses biens. Donc le Seigneur va voir que ce jeune est sous l'emprise de maman. Ce jeune est sous l'emprise de maman. C'est maman qui caractérise ces choses. Tu vas voir que même s'il dort, on dit allons à l'église, il ne va pas se réveiller. Mais quand on va lui dire allons chercher l'argent, il va le faire. Quand on va lui dire tout de suite non. On doit investir dans le royaume de Dieu. Il va trouver que non, ça c'est les hommes. Ils vont bouffer mon argent. Mais quand on va lui dire, je suis investi pour pouvoir multiplier ton argent. Il est prêt à aller prendre même des crédits à la banque pour aller faire cette entreprise-là. Parce que c'est là que son cœur est. La Bible dit que là où ton cœur est, là se trouve ton trésor. C'est là-bas tes biens. Ton cœur n'est pas sur Dieu. Ça fait que même ton argent, tu ne penses pas que tu dois mettre ça à la disposition de Dieu. Tu ne penses pas que tu dois mettre ça à la disposition des pauvres. Tu ne penses pas que tu dois mettre ça à la disposition des veuves et des orphelins. Tu es là, même quand tu dormes, tu as une manière de le faire parce que ton cœur est attaché à cette richesse. Tu ne te vois pas devenir un jour manquer de quelque chose. C'est-à-dire que c'est maman qui dirige ta vie. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il sera difficile aux riches d'entrer. Ce n'est pas que le riche ne peut pas entrer. Le riche peut rentrer tant que sa richesse n'a pas la première place dans son cœur. Il est temps que tu détrônes maman de ton cœur. Détrône-le de la position qu'il a prise. Détrône-le maintenant, tu le chasses de ta vie au nom de Jésus. Détrône l'argent que tu as mis au centre, au devant de tout. Détrône ça dans ton cœur. Cherche Dieu premièrement. La Bible dit dans le livre de Luc, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus. Ça veut dire que la première place
Saint-Esprit doit être dans ton cœur. Ton cœur doit appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Quitte à ce qu'on te critique, quitte à ce qu'on te rejette, quitte à ce qu'on te laisse dehors, quitte à ce qu'on dit non, que tu ne ressembles pas à quelqu'un avec qui on veut marcher, quitte à ce que les gens, même ton époux, tes enfants te rejettent. Ne laisse pas cette première place-là à qui que ce soit, à qui que ce soit. Ne laisse pas la première place dans ton cœur à quoi que ce soit. Sinon, c'est cette chose qui va te perdre. Alléluia. Alléluia. Jésus l'aima, comme je disais, parce qu'il avait vu en lui l'ignorance. Attends, je vais l'éclairer. Et quand je vais l'éclairer là, comme il veut vraiment être sauvé, je vais l'éclairer pour qu'il soit sauvé. Bien-aimé, on lui dit maintenant ce qu'il doit faire pour être sauvé. Il refuse. La Bible dit, il retourne attristé. Pourquoi? Parce qu'il était tellement attaché à ses biens. Il était tellement attaché à ses biens. La Bible dit, bien-aimé, que Jésus le regarde et Jésus est déçu. Il voit que cet homme qui espérait le salut n'a pas compris le coût du salut. Bien-aimé, le salut a un coût. Si tu mets ton mari en premier dans ton cœur avant Jésus-Christ, c'est ton mari qui va te perdre. Si tu mets tes enfants en premier dans ton cœur avant Jésus-Christ, ce sont tes enfants qui vont te perdre. Si tu mets en premier ton entreprise avant Jésus-Christ, c'est ton entreprise qui va te perdre. Si tu mets quoi que ce soit en premier dans ton cœur, en premier dans ton être, en premier dans tout ce que tu fais, et tu changes les priorités. C'est-à-dire que pour toi, ta priorité, c'est d'abord ton mari, d'abord tes enfants, d'abord ton entreprise, d'abord si, et ensuite Dieu, c'est ce qui va te perdre. Si tu veux, ne vole pas. Si tu veux, ne mens pas. Si tu veux, sois un bon chrétien. Va à 6h, va à 15h, va à 20h. Faut aller même te dormir. Le pasteur n'a qu'à t'imposer les pieds, t'imposer les mains, t'imposer ce que tu veux. J'ai dit ton cou, le cou du même, il n'a qu'à t'imposer. Il n'a qu'à verser 10 litres d'huile sur ta tête. Il n'a qu'à proclamer des paroles. Si Jésus n'est pas la première place dans ton cœur, si la priorité de ton cœur n'est pas tournée vers Jésus, bien-aimé, tu te fatigues. Tu te fatigues. Alléluia. Le salut a un coût. Et la Bible dit, alléluia, tu honoreras ton Dieu. Tu honoreras, tu glorifieras ton Dieu et ton Dieu seul. Que aucune autre idole ne soit dans ton cœur. Si dans ton cœur, le Seigneur retrouve un veau d'or, il retrouve une autre idole, c'est-à-dire que tu aimes plus le monde que lui, tu vas être perdu, le monde va te perdre. Tu aimes plus un homme, une femme que Jésus, tu vas être perdu par cela. Parce que, bien-aimé, ce n'est pas ce que Jésus t'a demandé. Alléluia, alléluia. Donc, en fait, chaque personne a un cas. Ce cas précis, c'est la richesse de ce jeune qui va le perdre. Pour une autre personne qui est riche, ça ne sera pas ça. Pour une autre personne même qui est aussi pauvre, ça serait par exemple l'orgueil. L'orgueil, moi on ne me parle pas, moi on ne me dit pas ça. Regarde, il dit Jésus est le bon maître, mais maintenant Jésus lui donne des prescriptions. Jésus lui dit voilà ce que tu as fait pour être sauvé. Il décide de ne pas obéir. Il y a des gens, ils ne vont pas entrer parce qu'ils sont désobéissants. Il y a des gens, ils ne vont pas entrer, ils ne vont pas aller loin dans leur vie avec Christ. Parce que tout simplement, chaque personne a son cas. Il y a des gens, ils sont pauvres, mais je dis, ils font tout à l'église. Mais dans leur cœur, ils ont mis une idole. Cette idole doit être détournée. Cette idole doit quitter. Bien-aimé, enlève cette place, dépouille-toi. Jésus est en train de dire à ce jeune homme riche, dépouille-toi. C'est-à-dire qu'enlève ce qui a trop de valeur dans ton cœur là, enlève ça et mets-moi à la place, mets Dieu à la place. Ne laisse pas, bien-aimé, quelqu'un d'autre prendre la place de Dieu dans ton cœur. Je refute toute personne qui pense que son mari doit avoir la place de Dieu dans son cœur, son enfant doit avoir la place de Dieu dans son cœur. J'ai dit, je refute ça. Ta mère ni ton père, j'ai dit, personne ne doit avoir, ni quoi que ce soit, ne doit avoir la place de Dieu dans ton cœur. Tant que tu feras ça, alléluia, tu vas voir que ta vie sera toujours dans un combat. Parce que ce qui est dans ton cœur va combattre la présence de Dieu, va combattre la main de Dieu, va combattre même l'orientation que Dieu veut te donner. Alléluia. C'est ça la vérité. Le Seigneur, amen, nous envoie aujourd'hui, j'aimerais que tu détrônes ton cœur. Demande au Saint-Esprit, montre-moi
qu'est-ce qui a plus de valeur à mes yeux que toi? Montre-moi dans mon cœur, sonde mon cœur, sonde mon cœur. Vous savez, David pouvait dire, Seigneur, sonde mon cœur et regarde mes voies. Si elles ne sont pas droites devant toi, mets-moi sur la voie de l'éternité. Chaque jour, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous lever le matin en disant, Seigneur, regarde mes voies, regarde mon cœur. Est-ce que tu as la priorité dans mon cœur? Est-ce que c'est toi d'abord? Si ce n'était pas, si c'est pas toi, Seigneur, je te demande pardon. Et Seigneur, donne-moi d'aller plus loin avec toi. Prends la première place. Sois la priorité de ma vie. Sois la priorité. Sois la priorité. Quand Jésus devient la priorité, bien-aimé, tu es sûr que ton salut est assuré. Si Christ est ta priorité, tu auras la vie éternelle. Si Christ est ta priorité, tu vas marcher dans la victoire dans ce monde. Si Christ est dans ta, est la priorité, on ne peut rien utiliser pour te faire chanter. Beaucoup de personnes sont sous le coup d'un chantage émotionnel, un chantage, amen, physique, parce qu'ils ont mis autre chose dans leur cœur. Si l'argent est ton Dieu, Satan va créer des occasions pour te faire chanter. Genre, si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Si tu ne viens pas là, on va te donner l'argent. En même temps, tu te plies. Si tu ne fais pas ça, là, ton mari va te laisser. En même temps, tu te plies. Si ça, là, on ne fait pas ça, là, tes enfants vont t'abandonner. En même temps, tu te plies. Le moyen de chantage de Satan. C'est pour ça que Dieu veut que tu le mettes en priorité pour ne pas que Satan utilise les choses que lui, Dieu, il t'a données comme un moyen de chantage dans ta vie. La femme de Job pouvait dire à Job, maudit Dieu et meurt. Regarde, il t'a tout enlevé. Mais comme Job n'avait pas sa femme comme idole, comme Job n'avait pas ses enfants comme idole dans son cœur, comme Job n'avait pas ses richesses comme idole dans son cœur, il dit, nu je suis né, nu je retournerai au Père, alors je ne renierai pas mon Dieu. Parce que toutes ces choses n'avaient pas pris le cœur de Job. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Satan, regarde mon serviteur, il rassasie mes regards, il me plaît, il m'aime, il m'honore. Et Job est passé par des situations. Mais comme dans son cœur, l'idole de son cœur c'était Dieu. Son cœur c'était que Dieu. Voilà pourquoi même ses richesses sont parties le même jour, mais il n'a pas abandonné Dieu. Bien-aimé, si tu laisses quelqu'un d'autre ou une autre occasion, prendre ou bien de l'argent, prendre la place, la première place dans ton cœur. Le jour où cet argent part, tu vas abandonner Dieu. Le jour où cet homme part, tu vas abandonner Dieu. Le jour où cette femme part, tu vas abandonner Dieu. Le jour où cet enfant te lâche, tu vas abandonner Dieu. Ne laisse pas ton cœur, les priorités de ta vie. La priorité de ta vie, c'est Jésus. Ne laisse personne prendre cette place. Détrône tout ce que tu avais mis à la place de Dieu. Enlève dans ton cœur tout ce que tu avais mis à la place de Dieu. Mets-les en bas. Mets-les en bas. Mets ton mari en bas de Jésus. Mets tes enfants en bas de Jésus. Mets ton argent en bas de Jésus. Mets ton entreprise en bas de Jésus. Jésus d'abord. C'est là que tu vas vivre la vraie paix. Parce que Jésus dit quoi? Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Il n'y a pas d'inquiétude quand tu es en Christ. Parce que tu sais que c'est lui ton trésor. C'est lui ton bien. On peut t'enlever ton mari. On peut t'enlever ta femme. On peut t'enlever tes enfants. On peut t'enlever ta richesse. Mais tant que Jésus lui reste, tu es béni et tu dis, Seigneur, c'est toi que je veux. Il est temps qu'un chrétien puisse dire, enlevez-moi ce que vous voulez, mais moi je reste à Christ. Tant que Jésus est dans ma vie, j'ai tout gagné. Il est temps qu'un chrétien puisse le dire. Combien de chrétiens aujourd'hui peuvent le dire? Aujourd'hui nous entretenons nos fidèles à se dire que non, c'est la richesse. Mais si cette richesse est enlevée, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer le temps à murmurer, tu vas passer le temps parce que tu te tout simplement... L'idole qui était dans ton cœur, la priorité n'était pas Jésus. Bien-aimé, je n'ai pas peur aujourd'hui. Si vous voulez, je n'ai pas peur aujourd'hui. Je n'ai pas peur. Quand Job était assis, quand on lui a annoncé, ça l'a secoué. Mais il s'est relevé. Il dit, je suis né nu. Donc si l'Éternel a permis que tout ça parte, gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. La Bible dit, l'attitude que Job a eue lui a permis d'être béni après deux fois plus. Plus ce qu'il avait perdu, il a reçu davantage. Parce que Dieu a sondé les profondeurs du cœur de Job. Et il a vu qu'il était intègre jusqu'à l'intérieur. Seulement qu'il y avait des petites choses qu'il n'avait pas encore compris, c'est tout. Sinon, personne n'avait pris la place de Dieu dans son cœur. Il est temps pour toi
de mettre Jésus en priorité. De mettre Jésus en priorité dans tout, dans ton argent. Que ton argent ne soit pas un Dieu pour toi. Que ton mari ne soit pas un Dieu pour toi. Que ta femme ne soit pas un Dieu pour toi. Que tes enfants ne soient pas un Dieu pour toi. Que aucune autre, aucune entité, je dis rien de cette terre, ne prenne la place de Dieu. Parce que si tu as Dieu, tu vas aimer tout le monde, mais tu vas savoir placer les priorités dans ton cœur. Et c'est là que Dieu va te bénir. C'est là que Dieu va ouvrir les écluses des cieux. C'est là que le salut va venir dans ta vie. Alléluia, alléluia. Remets Jésus à sa place. Remets Jésus à sa place. Que ce soit pour tes biens, dans tout, remets Jésus à sa place. Quand on dit Jésus, il faut courir. Quand on dit Jésus, il faut t'arrêter. Quand on dit Jésus, il faut te coucher. C'est lui d'abord. Ensuite, vient tout le reste. Mais si, vous remarquez, toutes ces femmes, toutes ces personnes qui ont chouchouté un enfant, qui l'ont pris pour l'enfant le plus, je ne sais pas, qu'est-ce que l'enfant a fait après? Dieu a permis que quelque chose arrive à l'enfant. Il devient peut-être une situation, mais je veux dire, l'enfant déraille. Et ça fait quoi? Les parents se retrouvent désabusés. Ils ne savent plus dans quoi ils se retrouvent, tout simplement parce que leur enfant avait pris la place de Dieu dans leur cœur. Et Dieu a laissé que ça touche pour qu'eux-mêmes y prennent compte. Donc, aussi longtemps que tu ne vas pas prendre conscience que les choses de la vie, que maman, que ces démons, ces esprits, que les choses autour de toi ont plus de valeur que Dieu, aussi longtemps, Dieu va te résister. Aussi longtemps, il va te résister. Mets Jésus en priorité dans ta vie. C'était mon message aujourd'hui. C'était ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour toi. Je veux simplement que ces 21 jours de jeûne, que tu le prennes à cœur. Viens dans ces 21 jours de jeûne avec patience, avec humilité, avec un cœur repentant. Viens dans ces 21 jours de jeûne avec un cœur qui cherche véritablement Dieu. À 22h ce soir, nous nous rencontrons encore pour des prières de délivrance, des prières d'autodélivrance. Alléluia. Nous nous retrouverons à 5h du matin. Même si tu peux mettre ton réveil, cherche Dieu et tu le trouvera. La Bible dit, si vous me cherchez réellement, vous me trouverez. Jésus le dit, tu me cherches, tu me trouves. Mais si tu ne me cherches pas, tu ne me trouveras pas. Trouver Jésus, ça veut dire beaucoup de choses. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. J'aimerais te rendre ce dernier témoignage et amen. Hier, non, avant-hier, nous étions dans le temps de prière, mais vraiment ce temps de prière, de proclamation et de délivrance, de destruction des yeux massifs des ténèbres. Et nous serons dans le temps de prière. Il y a une de mes sœurs, de nos sœurs, hein, qui était connectée sur le lien avec nous. Au moment où on était en train de prier, je vais rendre un témoignage, ce n'est pas tous ceux qui sont sur Facebook qui sont avec nous, mais si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous, hein, nous prions comme je vous ai dit tout à l'heure. Les informations sont au haut de la vidéo. Alors, cette sœur-là, je vais rendre le témoignage. Au moment où on priait, on était en train de détruire les œuvres des ténèbres, on priait, on détruisait vraiment, on était vraiment en mode offensif, alléluia, en mode offensif dans le combat. Et la sœur, elle allait prendre son contrat de travail. Au moment où on priait, le Saint-Esprit lui a mis à cœur, prends ton contrat de travail et viens t'asseoir avec. Elle a pris son contrat de travail, elle est en CDD actuellement dans une entreprise. Elle a pris le contrat de travail et elle a déposé et elle a commencé à prier, mettre la main sur la tête, commencer à prier pour détruire toutes les œuvres des ténèbres. Au moment où elle priait, bien aimée, l'Esprit de Dieu va ouvrir ses yeux, elle va recevoir une vision. Et dans la vision qu'elle va recevoir, le lieu où elle a commencé à travailler, où elle a commencé le petit, c'est pas le petit, mais elle a commencé le CDD, c'est deux jours, c'était je crois le 2h, 3h. Jour qu'elle a commencé à travailler. L'Esprit de Dieu lui montre que le bureau où elle s'assoit pour travailler là, elle voit un esprit en forme humaine qui sort avec un verre d'eau dans la main et il sort et il traverse le mur, la porte, c'est-à-dire que la porte il n'ouvre pas, il traverse la porte et il sort directement du bureau où elle va chaque matin s'asseoir pour travailler. Bien aimé, le Seigneur lui ouvre les yeux tellement elle était concentrée et elle avait le contrat de travail. Alors que je n'avais pas dit aux gens, prenez votre contrat de travail. Je n'avais pas dit ça. Mais je vous dis que quand on vient dans ces moments-là et qu'on se laisse guider par le Saint-Esprit, il y a des choses même qui sont cachées que Dieu va nous montrer. Bien aimé, quand elle a vu ça, elle a compris que Dieu est en train de lui dire, là où tu travailles, là, il y a un esprit là-bas. Et effectivement,
tout le bâtiment a des problèmes. Même les gens qui vivent dans le bâtiment, ils sentent des odeurs bizarres, des odeurs de cadavres. Ils voient, ils sentent qu'il y a des choses qui ne vont pas dans l'immeuble. Grâce à ces esprits-là qui ont inondé l'immeuble, bien-aimé. Et notre sœur est là seulement pour travailler. Je lui ai dit, tu es en mission, bien-aimé. Si Dieu t'a montré, et c'est ton contrat de travail, tu as mis sur les pieds, et c'est arrivé, ça veut dire que quand tu pars là-bas, déclare l'autorité de Christ, et que la puissance de Dieu environne le lieu, et que tout esprit qui ne glorifie pas Dieu, qui sévit dans ce lieu-là, soit chassé dans le nom de Jésus-Christ. Invoque le sang de Jésus dans le lieu et commence maintenant parce que c'est la délivrance de ce lieu. Mais en même temps, Dieu est en train de te montrer que ton lieu de travail, dans ton travail aussi, tu as besoin de prier parce qu'il y a une opposition dans ton travail. Parce que cet esprit l'a traversé comme ça et il est sorti du bureau. Vous voyez? Quand nous venons dans ce temps de prière, ce n'est pas une question de c'est mon frère, c'est ma soeur, je la connais, on cause ensemble. Ne me regardez pas. Venez dans ce temps de prière avec une pleine disposition, en sachant que Jésus va faire un travail puissant dans votre vie. Elle a pris son contrat de travail alors que je ne lui avais pas demandé ça. Donc tu peux venir et puis le Seigneur te met à cœur, viens avec ton carnet de mariage, comment on appelle ça même là? Ton livret de mariage, parce que peut-être il y a des problèmes dans ton foyer. Viens peut-être avec les claques de naissance de tes enfants. Je ne sais pas, je le dis comme ça. Tu peux me mettre les plus, Saint-Esprit va te dire, commence à prier pour telle personne. Ou bien envoie peut-être telle personne qui doit t'aider. L'ennemi risque de tourner son esprit. Viens avec sa pensée. Viens avec son nom. Présente au Seigneur pour que le Seigneur se le... Mais dans le temps des auto-délivrances là, tu pries pour toi-même et tu es délivré. Hein? Mais tout ce qui est attaché à toi, tout ce qui peut être à toi est en train d'être délivré comme ça. Donc même s'il y a quelqu'un qui devait t'aider, qui voulait dire non, à cause du fait que tu es délivré, mais la personne va se retrouver en train de te dire oui. La personne va se retrouver en train d'ouvrir les portes pour toi. La personne va se retrouver en train d'ouvrir des grandes portes pour toi. Parce que la délivrance est là. Parce que le Seigneur a fait. Et là, c'est Jésus qui fait. Ce n'est pas l'homme. Mais Dieu utilise l'homme. Amen. Et l'homme que le Dieu utilise, c'est moi. Mais c'est Dieu qui fait. C'est Jésus-Christ qui fait. C'est le Saint-Esprit qui fait. Si tu viens à ce moment en croyant que le Seigneur Jésus va te visiter, il te visitera. Il y a des gens qui ont des marques sur eux. Satan les a identifiés dans le monde des ténèbres. Les loges mystiques les ont identifiés pour les bloquer, pour les arrêter. Bien-aimé, si tu ne te lèves pas, on va faire quoi? Lève-toi dans la prière. Que Dieu te bénisse. C'était le témoignage que je voulais rendre, un témoignage puissant. On a des témoignages encore qui vont venir. Il y a des gens à qui Dieu a montré leur état. Dieu leur a montré, écoute, tu n'es pas là ce que tu fais là. Et ils ont reconnu, ils ont décidé de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Bien-aimé, je t'invite. Viens à ce moment. Le lien est là. À 22h de France, 20h Côte d'Ivoire, 3h du matin Côte d'Ivoire, 5h de France. Je ne sais pas au Canada, États-Unis, c'est quelle heure. Chine, je ne sais pas c'est quelle heure. Russie, je ne sais pas c'est quelle heure. Mais connecte-toi, nous allons prier. Quand tu viens, ne regarde pas les détails. Oui, est-ce qu'on est beaucoup? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce que la servante de Dieu elle parle l'anglais? Est-ce qu'elle a des phrases qui sont comme si? Arrêtez-moi tout ça. C'est le Saint-Esprit qui fait. Quand tu viens avec une disposition de cœur correcte, tu vas ressortir avec ton miracle. C'est 21 jours là, ce n'est pas un retard, tu peux toujours te connecter. Viens encore, on va prier ensemble. Viens, c'est des moments glorieux. Et sur le WhatsApp de Maison du Refuge, de l'église, parce que c'est une maison de Dieu, amen, du ministère Maison du Refuge, il y a déjà les premières proclamations qu'on a fait en PDF, qu'on a mis dessus pour ceux qui veulent tirer ce PDF pour continuer à prier en journée ou bien prier même après les 21 jours. Ça peut être des programmes de prière pour toi-même où tu vas faire des auto-délivrances. Tu vas voir que Dieu va ouvrir les portes. Je vais faire tout à l'heure ce qu'on avait fait hier pour donner à notre sœur hein, Alix, que Dieu te bénisse depuis le Sénégal. C'est elle qui m'a proposé ça et vraiment Dieu soit béni. On va mettre encore sur la plateforme, vous qui pouvez tirer, donnez ça à quelqu'un pour faire des prières. Ceux que vous voyez que leur vie est un peu bloquée, il y a quelque chose qui ne va pas, donnez-leur ça. Alléluia. Ils peuvent nous joindre sur Maison du Refuge, appeler sur le numéro, laisser un vocal et le Seigneur permettra que je puisse les recontacter ou que je puisse en même parler avec eux au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Shalom chez vous. Nous nous retrouvons ce soir à 22h. Amen. Pour
détruit les œuvres des ténèbres. On va marcher sur le Seigneur, nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Le Seigneur te donne la puissance et l'autorité. N'aie pas peur. Il dit à Jérémie, n'aie pas peur. Je viens pour te délivrer. N'aie pas peur, toi qui viens au temps de combat. Le Seigneur vient te délivrer. Ne rate pas les moments là. C'est 21 jours, on est dedans. On finit le 15 octobre. Donc, connecte-toi et on va ensemble, amen, rentrer dans notre grâce. Moi-même, hier, le Seigneur m'a montré quelque chose sur moi-même, ma propre vie. J'ai dit, hey, Seigneur, merci, oh, merci. Si je n'avais pas fait ce programme, je n'allais pas voir. Je ris, c'est vrai, mais Jésus est en train de travailler. Ne négligeons pas ce moment. Soyez bénis, shalom. Mettez Jésus en priorité dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Bye-bye.